tu vois les retombées maintenant. Maintenant, les gars, ils veulent plus aider. Ils veulent plus aider, quoi. Non, ils veulent plus. Ça veut dire s'il y a une femme qui fait un arrêt, qui tombe dans les pommes, tout ça dans la rue, ils sont là. Je sais pas. Va, toi. Pourquoi tu vas pas, toi? Non, je sais pas. Il y a une caméra TikTok ou pas? Qu'est-ce qu'ils font là? Hein? Je sais pas si je lui donne les premiers gestes de premier secours. Se trouve, va dire que je l'ai harcelé. Moi, je veux pas de problème. Moi, je sais pas si elle va bien. Je sais pas. Peut-être qu'elle va bien, peut-être. Hein, ah ouais, elle a l'air de. Ah ouais, ça a l'air. Non, je sais pas, monsieur. Je sais pas. Non, non. Ouais. Voilà où on arrive. Tu vois, bah, avant de commencer la vidéo, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est une formation gratuite pour pouvoir créer ton business en ligne. Avant de créer à l'arnaque, regarde quand même, j'ai plein de témoignages des gens que j'ai déjà accompagnés à gagner de l'argent en ligne qui sont indépendants financièrement aujourd'hui. Tu as tout sur ma chaîne. Donc prends ça, c'est gratuit. I literally have no idea what these men are doing wrong in this video. Did they try to talk to you, bother you, harass you? Did one of them try to maybe record a video of you? Or are you attacking men for simply existing in the gym? Because all I see in this video is a bunch of men and women working their butts off in the gym, minding their own business. Yet you want to make a video to attack their behavior and call them clowns? The only clown-like behavior in this video that doesn't belong in the gym is you. You need to do better. Mind your own business. Why would a man be there? Why would a man be there? No, it's actually pissing me off. Oh my god, it pisses me off. Why would a man be there? Why do you want to be there? Like... Attends. Tu veux qu'il fasse quoi? Là, elle revient. Regarde comment... Regarde ça. Regarde comment elle est habillée. Ça là, Théma. Oh là 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 là. Et lui-même, il est obligé de tourner la tête. Regarde ça. Là, si jamais elle a un short de la même couleur, genre un short beige, hein, si elle a un short beige là, tu crois qu'elle est nue. Si elle a un short beige là, de la même couleur, couleur chair, tu crois qu'elle est nue. Ok? Le truc qui rentre dans les fesses, c'est obligatoire. Tellement le truc, il est tiré, tu vois, au niveau de l'arrêt. Hein? Mais elle fait des blagues genre, oh le gars, il me regarde. Je l'ai attrapé dans la caméra. Théma, comment elle est? Le gars, il est pas content. Attends. Il trouve ça ridicule. Oh, elle, oh non, mais elle, c'est une blague. Non, mais elle, c'est une blague. Regarde. Comment je vais à la salle. Je vais à la salle comme ça. Voilà. Mais surtout, ils m'énervent, ces gars-là, parce qu'ils savent pas me regarder. J'en peux plus. Parce que le gars, il me regarde pendant une seconde. Oh, je l'ai attrapée. Elle a l'air vraiment traumatisée. Quand je la vois comme ça, je me dis, ah ouais, elle est vraiment traumatisée là. Oh là, ah ouais, elle passe un sale moment là. Et c'est pour ça qu'elle met ça sur TikTok, évidemment. Non mais l'autre là, c'est une enfant gâtée ou quoi? Elle est là, mais pourquoi il y a des hommes? J'en ai trop marre. Pourquoi il y a des hommes à la salle de sport qui veulent me regarder? Oh là là, j'en peux plus. On dirait une enfant gâtée, frère. T'as le droit de voter, toi? Donc à ce moment-là, si vraiment ça te dérange, hein, imaginons on te croit. Hein, imaginons on te croit, on est stupide, tu vois, par exemple. On est là, ah ouais, la pauvre, elle va dans des salles de sport et il y a des hommes qui vont la regarder. Oh là là. Donc du coup, peut-être que tu pourrais aller dans une salle où il n'y a que des femmes. Il y en a plein. Pourquoi tu y vas pas? Si ça te dérange tant que ça. Parce que d'ailleurs, au passage, nous, on n'a pas le droit de faire des salles que pour les hommes. Non, on ne peut pas. Interdit. Ouais, non, mais société matriarcale. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'où va aller le progrès, je ne sais pas. En tout cas, nous, on ne peut pas. Voilà, nous, c'est interdit. On ne peut pas faire uniquement, c'est sexiste. Voilà. Donc les femmes, elles viennent dans le salle. Voilà. Et elles sont avec des trucs qui leur rentrent dans les fesses. Hein. Le short a avalé la moitié du tissu. Hein. De toute façon, je pense que 45% du tissu est entre les fesses. C'est pas ailleurs. Hein. Mais bon, on sait que c'est pas le souci. Hein. On sait très bien que tu veux juste montrer que... Oh, si, ouais, on me regarde, j'en peux plus. Oh là là là. Parce qu'après, tu le postes sur TikTok. Hein. Plus toutes les photos qu'ils voient avec, que tu dois mettre sur ton compte. Donc, va, ça se saurait si jamais tu avais un problème avec l'attention. Hein. Non, tu la cherches. Hein. Essaie de le faire en djellaba pour voir. Hein. Je suis sûr que tu vas trouver ça moins fun.
Non, je préfère quand même mon short vert. Il est mieux quand même. Donc tout ça pour avoir du clout, tout ça pour avoir l'attention des hommes. Elle fait une pierre deux coups, hein, voilà. Elle monte ses fesses, elle est contente, tout le monde te regarde. Il n'y a pas de problème que tu veux l'attention, mais viens pas nous prendre la tête en fait. C'est la fête du slip ou quoi? Apparemment, ça fait des vues de se moquer des hommes pour rester poli. Parce qu'il y a des fois ma grand-mère qui regarde des vidéos. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire. Hein. Je pense qu'on s'est compris. Alors j'ai une news pour toi. Oui, les hommes regardent les femmes. Alors, voilà, oui, c'est new, c'est nouveau. Si tu ne savais pas, les hommes regardent les femmes. Voilà. Surtout, en plus, je pense que ça ne te dérange pas plus que ça, sinon tu ne serais pas habillé comme ça. Hein. Mais voilà, au cas où. Voilà. Oui, les filles, je sais, peut-être que tu ne le savais pas, mais les hommes regardent les femmes et les parties. Voilà. Fesses, hein, voilà, visage aussi, voilà. Le corps, la femme entièrement, voilà. Bon, ça va, c'est pas trop difficile. La compréhension. Voilà, j'espère que j'ai perdu personne. Géraldine, t'es là toujours? Bon, on peut continuer? Et imaginons, allez, dans un monde parallèle, on te croit encore. Moi, je connais des meufs qui sont super fraîches, ok? Physiquement, tout ça, cuisses, fessiers, tout ça, machin. Elles mettent leur short, peut-être, mais elles mettent un t-shirt long. Voilà. Et des fois, je vois des meufs à la salle, elles mettent des petits pulls. Voilà. Ou sinon, t'as une salle uniquement pour les femmes. Donc, réellement, si ça te dérangeait, si tu ne faisais pas uniquement ça pour le cloud, hein, tu ne serais pas habillé comme ça dans une salle de sport. D'ailleurs, je pense même que ça devrait être interdit. Non, je rigole. Chacun fait ce qu'il veut, mais viens pas nous prendre la tête. Ou c'est même pas, ne viens pas nous prendre la tête, ne viens pas te foutre de notre... Hein. Voilà, j'essaie de rester poli quand même. Voilà. Mais moi, ma question, c'est à quel moment la société, les gens ont donné du crédit à ces enfants gâtés, en fait? Non, mais arrêtez de me regarder! Oh là là, j'en peux plus! À quel moment, en fait? Donc, du coup, bah, les gars, maintenant, ils veulent s'entraîner chez eux. Because of this toxicity, some men have totally stopped going to the gym and they have opted for a home gym. Research says sales of gym equipments have soared mostly from home fitness sales. Also, the majority of men at these commercial gyms have stopped helping women in the gyms. Let's have a look at some few videos. All right, you guys. Today we are gonna be looking at this girl who's training for the Darwin Award. Today she got stuck under the bar, and last time she got stuck in the washing machine until her stepbrother helped her out. The safety bars are set low, not as low as her IQ level, but higher than her standards for men. The poor girl looks as helpless as a turtle on his back, but the difference is a turtle will never be stupid enough to have his mouth covered while fighting for his life. It looks like the barbell is trying to get her pregnant against her will. The camera and the tripod need to be held accountable for not helping and just looking in her direction. What doesn't kill you makes you stronger, but in her case, it looks like natural selection took over. Nah, she just don't need my help. Why it gotta be me for? Back up. No, if you're not scared to help her, just go help her. I'm busy. You don't see me doing a set? How about you go help her? Why, just because she has a tripod, you're not gonna help her? No, I'm doing a set. You're not doing a set, so go help her. But she literally asked for someone stronger. And you're stronger. Can you do than more weights? Who? Me, because I couldn't. Wait, why help you? Her. I tried to help her and so I couldn't. So there's a lot of niggas stronger than you. No, I know. No offense, but. No, yeah. Not much. You're that a big guy, true. Bro. You're a big guy. Tu vois l'environnement que t'as créé, Géraldine? Attends, les gars, ils sont là. Ouh, waouh! Ouh, c'était passé. Eh, c'est passé à un cheveu, hein? Oh là là! Tu vas pas l'aider? Non, pas du tout. Pas trop. Hein. Les gars, ils ont même peur d'aller pour que la meuf après elle dise non, mais j'ai pas besoin de ton aide. Non, mais voilà. Je suis forte et indépendante. Hein, ok? Donc, tu vois l'environnement que t'as créé, Géraldine? Tu vas te prendre une barre. Même nous, entre hommes, on cède à la salle. Quand je sais que j'ai un poids assez conséquent, à peu près 300, 400 au développé couché, hein, eh ben, je demande de l'aide. Oui, madame. Même on demande de l'aide entre nous. C'est normal, en fait. C'est la vie normale. Voilà. Je sais pas, c'est... Bienvenue. Votre société matriarcale a l'air vraiment de... Ça sonne juste. Vraiment, là, c'est super. Il n'y a plus aucune rationalité. Et après, je me suis dit, bon, les gars, ils exagèrent, ils pourraient aider quand même. Qu'est-ce qu'elle va pas quand même porter plainte quand même. Also, there was this incident that happened
a few years ago where a man saved a woman from drowning, and she went ahead and filed SA charges. The article says a 23-year-old woman said she would not be dropping charges she pressed against a man who saved her life after she almost drowned in a pool during a pool party in her neighborhood. Kim Wright said David took advantage of her when she was helpless and she wants justice. Video that shows David, a 29-year-old web developer, pulling Kim out of the water, pressing her chest a few times and giving her mouth to mouth before she coughs back into life will be used as evidence against David in court. Kim is arguing that David should have let someone else rescue her. She pointed out that he was playing with her breasts, and the reason she woke up is probably because of the foul smell of David's mouth. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Mais non, c'est vraiment réel. David a existé. Un héros. Le gars, on a porté plainte. Et elle se permet de faire des blagues. Genre, je me suis réveillé parce que c'était à cause de son haleine. Alors j'imagine que dans certains contextes ça pourrait être marrant, mais le gars il vient de te sauver la vie et tu lui dis ça sur, quand tu portes plainte au tribunal. Non mais c'est une blague. Non mais c'est pas. Non mais dans quelle vie, dans quel monde on vit? C'est ça votre société matriarcale? C'est ça le futur? C'est ça le progrès? Donc on se base sur des ressentis, sur des faits. Le gars t'a sauvé la vie. Alors non madame, avant de porter plainte peut-être renseigne-toi sur les gestes de premier secours. Le gars il t'a pas guélant. Ok, il a insufflé de l'air dans tes poumons. Parce que sinon, si tu respires pas, tu vas mourir. Voilà, Géraldine, oui, si jamais il n'insuffle pas hein, de l'air, dans, hein, oxygène, tu as besoin de ça pour vivre. Je sais que ça, peut-être c'est toi, voilà. C'est ouf, gars. Donc oui, il a touché ta poitrine, chérie. C'est comme ça qu'on fait les massages cardiaques. Hein, on fait comme ça, tac, hop, hop, on prend, hop, hein, et après on masse. Le cœur, il n'est pas dans tes fesses, chérie. C'est normal qu'il ait touché ta poitrine. Oui, je te confirme. Qu'il t'a touché la poitrine et t'a sûrement cassé quelques côtes aussi. C'est normal, c'est quand tu fais le massage, c'est normal, madame. Tu peux lui... Explique-lui, s'il te plaît, Gérard. Je trouve ça ouf. On donne des crédits à ces gens-là et ils peuvent même porter plainte. Ça veut dire que tout le monde est d'accord avec ça. Oui, tout le monde est d'accord. Le tribunal est là, ouais j'avoue quand même, c'est vrai qu'il peut être la gueule, bon, un mois de sursis, non? Si? Deux? Ouais, il lui a sauvé la vie, ouais, bon, un mois de sursis, alors bon, ça va, mais quand même, il aurait pu se brosser les dents. Enfin, c'est quoi, dans quel monde on vit, les gars? C'est pas possible! En tout cas, je vois qu'on progresse, voilà, je vois qu'on est dans le progrès. Hein, vraiment, voilà, on met le feeling, voilà, hein, avant tout ce qui est rationnel, factuel. Le gars a sauvé la vie de cette meuf. Elle porte plainte. Hein. Évidemment, ça aurait été Chad, 1m85, 6-pack, beau gosse. Là, il n'y aurait pas eu de problème. Peut-être qu'il ne t'aurait pas réveillé parce que peut-être qu'il n'aurait pas les techniques. Même s'il aurait une haleine fraîche. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là? Mais c'est pour ça que société matriarcale n'a jamais duré hein, dans toute l'histoire. Ça n'a jamais duré. Donc là, ça vole pas haut. Hein. Donc non, le gars, le juge, il est arrivé. Hein. Il a sauvé la vie. Ouais, mais quand même, c'est vrai qu'il a pu se brosser les dents, quand même. C'est vrai que... Il lui a fait un massage sur la poitrine. Au niveau du cœur, il lui a fait le massage. Et du coup, non. Non, ouais, faut... Amende. Non, madame, je comprends. Madame Géraldine, je te comprends. J'ai une fille, je te comprends. Harcèlement. On va rajouter harcèlement. Et je pense que c'est misogyne aussi, non? On va mettre misogyne aussi. Ouais, on va tout mettre. On va tout mettre. Sexiste aussi, je pense. Parce que pourquoi elle t'a sauvé toi? Et, voilà. Donc maintenant les gars, quand vous allez voir une femme se noyer, les gars, maintenant les gars vont dire « Demande à ta copine. » « Oh, au secours !» Je sais pas madame, si je peux vous sauver. Demande à tes copines fortes et indépendantes, moi je sais pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu veux aller plus loin avec moi. Tatou en description et les gars, on lâche rien et on reste BTR. Il y a eux et à nous, je vais tout encore.